Hello and welcome sur la chaîne Will Mastro Reaction. On se retrouve aujourd'hui pour une réaction à Lorena McKennitt. Donc, si vous ne connaissez pas Lorena McKennitt, excusez-moi, je vais mettre, voilà, je vais vous mettre une petite fiche ici avec sa photo. Enfin, une petite photo de Lorena McKennitt, hein, une vraie rousse, hein, une vraie rousse. Voilà, et si jamais vous ne la connaissez pas plus, n'hésitez pas, je vais vous mettre une petite fiche ici avec sa chaîne YouTube. Si jamais c'est bloqué, n'hésitez pas, descendez dans la description. Le premier lien, c'est sa chaîne YouTube. Le deuxième lien, c'est le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Et le troisième lien, c'est la playlist des titres de Lorena sur ma chaîne. Voilà, donc je crois qu'on a réagi une seule fois sur elle. Donc là, on va se diriger sur le titre, que je ne me trompe pas, on va se diriger sur le titre The Mystic Dream. Donc, on me l'a proposé, donc j'espère que vous allez apprécier. Alors, pour ceux aussi qui ne connaissent pas Lorena McKennitt, je vais vous présenter un petit peu. C'est une autrice, une auteure, compositrice, interprète d'origine canadienne. C'est une chanteuse, harpiste, accordéoniste, et pianiste canadienne. Alors, elle aime bien son style, c'est vraiment les musiques du monde, musique celtique et musique orientale. Voilà. Et c'est vrai que toutes ses prestations lui ont donné une renommée internationale. Donc, elle trouve l'inspiration de sa musique dans l'histoire des peuples celtiques, de ses voyages et de ses contes légendaires. Donc, j'espère que vous allez apprécier. On va se diriger sur ce titre que je ne connais pas, mais qu'on m'a proposé. Donc, j'espère que vous allez apprécier. On est parti. Bonne écoute à vous. Et je vous dis à tout de suite pour ma réaction. Allez, à tout de suite.
Waouh! Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai kiffé ça. Le mélange oriental, celte, c'est juste de la bombe. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Attendez deux petites secondes. Voilà, je disais donc, j'espère que vous avez apprécié. Franchement, c'était de la bombe. Déjà, elle chante vraiment très, très juste. Et effectivement, avec la description qu'on a donnée, bon là, elle n'a pas joué de harpe ni quoi que ce soit, mais elle a chanté plutôt, mais très bien. Et le morceau était vraiment incroyable. Incroyable entre les mélanges, comme je vous l'ai dit, orientaux et celtes, c'était juste bon pour les oreilles. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai extrêmement apprécié ce titre, franchement. Lorena McKennitt, n'hésitez pas à me proposer d'autres titres. J'en ai, mais The Mystic Dream, franchement, c'était vraiment mystique, tout à fait ça. Donc, j'espère qu'on se retrouve demain, hein, sans faute, pour les deux prochaines vidéos. Ils sont tellement mystiques que les deux, Ezig et Otto, ça va ou quoi? Ils sont en position du lotus. Ah, vous êtes embarqués. Bah, j'espère que ça ne va pas vous embarquer très loin. Hein, parce que j'aime bien vous revoir demain, quand même, pour les deux prochaines vidéos. Ok, bon, allez, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches. Prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer et on se retrouve demain. Merci beaucoup aux plus de 36 000 personnes qui me suivent. Allez, à demain. Merci beaucoup.